semaine très chargée qui a commencé depuis dimanche dernier avec l'organisation de la 6e édition du Forum sur les sciences, la technologie et l'innovation. Et l'objectif était de trouver des solutions efficaces et innovantes en matière de sciences, technologie et innovation pour contribuer à l'objectif de développement durable et aussi à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce forum a regroupé des ministres, des directeurs généraux, des scientifiques, des membres du secteur privé, la société civile et du secteur universitaire. On a discuté de beaucoup comment l'Afrique peut utiliser les technologies, les sciences et technologies et l'innovation pour activer son développement durable. Au sortir des discussions, on peut retenir plusieurs solutions, plusieurs propositions et recommandations. La première priorité, c'est qu'il faut investir au niveau du capital humain. Parce que si on n'a pas le capital humain, on ne peut pas tirer profit de ces technologies ou bien de ces innovations. Investir sur le capital humain aussi, ça veut dire que une éducation de qualité, avec des formateurs de qualité, et aussi investir sur la recherche et développement. C'est pourquoi un appel a été lancé aux décideurs pour investir plus au niveau du développement de la technologie, des sciences et de l'innovation, et aussi bien sûr avec l'implication du secteur privé. Parce qu'avec le développement de ces technologies et de l'innovation, on a besoin du secteur privé pour porter plus haute la voie du développement au niveau de l'Afrique. Un autre point était de discuter comment faire venir la diaspora ou comment faire participer la diaspora au développement durable, à l'appropriation de l'innovation des sciences et technologies au niveau du continent. Et aussi, on a discuté de la question des infrastructures. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle des données, mais sans infrastructure, on ne peut pas utiliser ces technologies. Infrastructures physiques, la connectivité, l'énergie, tout ça on en a parlé, et le renforcement des capacités. On a parlé aussi de renforcement des capacités des jeunes dans le numérique. Car l'objectif principal, c'est de créer des emplois et de créer une valeur ajoutée pour le bien-être des populations. Et pour cela, on a parlé beaucoup de l'utilisation des technologies émergentes. Et cela a permis de démontrer quelques pistes très prometteuses pour l'Afrique au niveau du développement du numérique, la formation des jeunes à l'intelligence artificielle, la création des incubateurs et la création des parcs numériques. Donc c'était en gros les recommandations clés du forum sur l'innovation, la science, la technologie et l'innovation qui s'est déroulée du dimanche au lundi à Addis Abeba. Ouais, parce que durant le forum, on a parlé de l'inclusion. Et pour parler de l'inclusion de l'ensemble de la population, il faudra les identifier. Or, l'Afrique est face à un gros défi. Au niveau du continent, à peu près 500 millions de nos concitoyens n'ont aucune forme d'identité légale. Et ceci pose des problèmes d'accès à l'éducation, d'accès à la terre, d'accès aux services gouvernementaux et d'autres accès de services sociaux. Et c'est la raison pour laquelle le Digital ID a été discuté longuement comme une des clés pour attirer l'inclusion au niveau du continent. Et c'est la raison pour laquelle la CIA n'a pas attendu. Depuis 3 ans, on travaille au niveau de l'identité numérique pour aider les pays africains à utiliser l'identité numérique pour plusieurs raisons. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons de sécurité aussi. Il y a des raisons de participation de l'ensemble des populations à la chose publique. Il y a des raisons de la gouvernance aussi, qui est très importante parce qu'avec ce Digital ID, on peut rapprocher le citoyen du gouvernant. Et c'est la raison pour laquelle on intervient dans plusieurs pays. Depuis 2022 jusqu'à 2022-2023, nous avons aidé 5 pays africains à mettre en place un programme innovateur en matière d'identité numérique. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on a l'Éthiopie qui marche très bien et on est en train d'enrôler beaucoup d'Éthiopiens ici au niveau du stand de la CIA pour qu'ils puissent avoir leur identité, leur carte d'identité numérique. Et ceci est vraiment encourageant parce qu'on voit les gens de la communauté locale qui sont très intéressés pour avoir leur Digital ID. On a vu que le personnel de la CIA local qui travaille au niveau des différents secteurs sont là pour avoir leur carte d'identité numérique et aussi les autres Éthiopiens qui ont participé
à la Réunion sont là pour en procurer. Je pense que l'identité numérique est quelque chose vraiment d'important et c'est le futur de l'Afrique. Parce que sans l'identité numérique, on ne peut pas avoir des plans de développement corrects parce qu'on est toujours faussé au niveau des statistiques. Et cela permet aussi de régler tous les problèmes de sécurité en Afrique, surtout la sécurité des frontières. Quand on parle de la mise en place de la ZLECAF, on a besoin de l'identité numérique. Quand on veut développer le commerce continental, on a besoin de l'identité numérique. Quand on veut développer la création d'emplois, le renforcement des capacités des jeunes, pour que les jeunes participent à la création, au développement économique et social du continent, on a besoin de les identifier et cela, c'est l'identité numérique qui nous donne ça. Quand on a besoin de se soigner, le médecin a besoin d'avoir des informations précédentes. Et avec l'identité numérique, on a accès à toutes ces informations personnelles. Sur une seule carte, on a accès aux informations sociales, aux informations administratives, et aux informations aussi sanitaires et aux informations aussi financières de la personne. Et cela, je pense, est un atout pour le développement durable au niveau de l'Afrique. Et on espère que d'ici 2030, beaucoup de pays africains pourront activer le développement grâce à l'identification numérique. Pour les jeunes, je pense que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour les jeunes générations. Parce que d'ici 2050, 70% de la population africaine aura moins de 35 ans. Donc ce sera une population jeune qui va représenter 42% de la population jeune mondiale. C'est ce qu'on appelle une dividende démographique et cela, on peut en tirer profit. Et au niveau du forum, on a vu actuellement la participation importante des jeunes, surtout au niveau des ateliers relatifs à la science et la technologie et l'innovation. Et c'est quelque chose que nous allons encourager aussi. On organise généralement des camps de codage pour les jeunes filles, des bootcamps pour les jeunes. Et on a aussi le forum jeunes qui commence demain. Et tout cela, c'est pour impliquer les jeunes pour discuter de leur avenir. Et c'est les jeunes qui doivent prendre en charge leur avenir. Nous sommes là pour les accompagner. Et ce qui est intéressant en Afrique, on a des jeunes très brillants qui savent là où ils veulent aller et ce qu'ils veulent pour leur devenir. Et nous devons les accompagner. Et une des voies prioritaires pour les jeunes, on a vu que c'était les sciences, la technologie et l'innovation, les technologies numériques. Et on a beaucoup d'engouement de ces jeunes au niveau des technologies numériques, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de l'utilisation des blockchains, de l'utilisation aussi des technologies numériques pour les changements climatiques, de l'utilisation des technologies pour la finance économique, aussi de l'utilisation des technologies pour l'éducation, la santé et autres secteurs économiques. Les jeunes sont présents et nous allons les encourager plus davantage pour qu'ils participent aux activités du forum. Et après le forum aussi, on continue à travailler avec les jeunes parce que ce travail n'arrête pas au forum. Le forum est seulement une étape. On va continuer à travailler avec les jeunes, à les aider à développer des projets innovants pour eux, pour qu'ils puissent participer activement à l'économie continentale et mondiale.